Mettre le cap X. X voyager. Oula. Volcan atterrir X. D'accord. Je vous suis, capitaine. Cette combinaison, si t'arrives à pisser. Quelle bonne blague! Where are the toilets, please? Ok, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai aggro. Oula! Au secours! Hop là, on va. Change d'arme, finalement. Combien on a de balles là-dedans? C'est ça, on l'a ramassé, chargeur 12, on sait pas. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Mais putain! C'est quoi cette blague? Y'a pas de balles non plus. Oh! Au secours! Je suis poursuivi! Soudain, je me retourne et j'abats deux tueurs avec ma troisième main! On peut lui donner des ordres ou pas? Je suis programmé pour le combat. Mais ce n'est pas ma fonction principale. Ouais, ta gueule. Est-ce que si on s'approche des herbivores, ils sont agressifs? Ah! On peut les scanner. Ennemi détecté dans les environs immédiats. What? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade! Encore un combat remporté. Y'a pas moyen d'envoyer au vaisseau là ou comment ça se passe? Garnison de l'éclipse désertée. Donc du coup il devrait y avoir personne, c'est ça? La violence diminue fortement l'espérance de vie. C'est sûr, en guerre. On se casse. Alors j'ai une idée. Si on prend la hache. C'était une idée de merde. What the hell? On se casse! Et là on a quoi? Sécurité. Oui, non, Oh mon dieu. Des trempes! Putain. Il pleut dehors, c'est ça? Bon, quelle option nous choisissons? Est-ce qu'on fait une approche cachée? Ouais, mais cachée, ouais. Ah, public douteux, humour douteux. Ça m'intéresse. Alors, ah, public douteux, humour douteux, volume 2. Que fait un cheval au supermarché? Hein? C'est quoi un cheval? D'accord. Toc toc, qui est là? Hamster. Hamster qui? Hamsteroid. La fin du monde. Voici le début de l'ouvrage de Camille Flammarion. La fin du monde, paru en 1894, dans lequel une comète doit entrer en collision avec la Terre à 3 heures à la séance de l'Académie des sciences.
À travers la transformation politique et sociale des hommes et des choses, l'Institut de France durait toujours, tenant encore en Europe la palme des sciences, des lettres et des arts. Le centre de la civilisation s'était toutefois déplacé, et le foyer du progrès brillait alors dans l'Amérique du Nord, sur les bords du lac Michigan. Merci Camille Flammarion, donc. Carnet de notes. Merde, il n'y avait rien à lire. Oui, je vais tout lire. Ça va être un enfer absolu. On prend. Je sais pas à quoi sert tout ce que je ramasse. Je sais juste qu'à un moment, je ne pourrai plus marcher parce que j'aurai pris trop de trucs qui traînent un peu partout. On parlera. Non mais, qui met des visseuses à percussion dans des réfrigérateurs? Il y a un moment. Non? Bon, c'est pas grave. Petit poisson, venez. Petit poisson, venez. Extrait du roman hein, de Lubvov Song. Petit poisson, venez. Une uchronie dans laquelle des rovers robotiques autonomes deviennent intelligents, se répliquent et colonisent Mars avant les humains. Ce jeu ne se terminera jamais à ce rythme-là, évidemment. Mais c'est là tout l'objectif. Est-ce que tu peux te mettre en mode camouflage? Ah oui, il peut! Incroyable! 195. Ma vie, croque après croque. Ma vie, croque par croque. Caféine! Ah! Est-ce que c'est la vraie molécule de caféine? Qui ressemble normalement à la molécule de chocolat? Les chimistes. Pardon. Excusez-moi, ça m'a fait rire. Bon, ce laboratoire me semble... Vasco! Je crois que nous avons trouvé... un être humain. Mais je crois qu'il est décédé. Histoire de la xénobiologie. Histoire de la xénobiologie. Les premiers chapitres des écrits de Lars Nilsson semblent principalement consacrés au système digestif des herbivores aliens. La dissection de la dernière trouvaille du docteur Nilsson s'attarde sur la fascination pour la faune, pour sa fanis. Alors, s'attarde sur sa fanis. Voilà. Allez, nique ta mère. Oh, Vasco, nous avons un décès. Vasco, réanime-le. Je suis programmé pour le combat. Ouais, attends, c'est la date, ça? Le 12-21-2002. Le 21 décembre 2002. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre 2002? Ça s'ouvre ça ou pas? Ouais. Waouh. Y'a rien. La déception. Vous feriez bien. Les ordres de Brogan sont clairs. Vous voyez un truc qui n'est pas de la flotte, vous le butez. Compris? Alors, de ce que je viens d'entendre, je pense qu'ils sont hostiles. Du coup, je sais pas si j'ai vraiment l'arme de la situation. Non, essaye de ne pas faire de bruit, s'il te plaît. Reste discret, s'il te plaît, Vasco. On va rester à la hache pour l'instant. Eau gazeuse. Les actions consomment moins 16% d'O2 pendant 3 minutes. De l'eau Perrier, tiède, mais peu pétillante. Voilà. Est-ce que si tu trouves du lait dans des chiottes, c'est une bonne idée de le ramasser? Les papiers posthumes du Pickwick Club. Les papiers posthumes du Pickwick Club. Chapitre 1, les Pickwickiens. Le premier jet de lumière qui convertit en une clarté brillante les ténèbres dont paraissait envelopper l'apparition de l'immortel Pickwick sur l'horizon du monde savant. Bon, a priori, il n'y a personne ici. Nouveau départ, Arden Wynn, journal personnel, 13 janvier 2306. Je n'arrive pas à le croire, j'ai été pris. La division xénoguerre de l'Union coloniale est désormais une réalité. Je n'arrive même pas à imaginer la quantité colossale de... Dans mon 6-6, il n'y a plus de valse brune. Il n'y a plus que deux chevaliers, cons comme la lune, sous la lune.